Diascopo, miroir du football de la diaspora somalienne. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 24 octobre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Angleterre. L'Angleterre, mais pour parler tanière, pour parler un international congolais dont on sait un peu plus sur sa blessure et surtout sur son indisponibilité. Il s'agit, vous l'avez certainement deviné, d'Axel Touanzebe. Avant-hier, en conférence de presse, Kieran McKenna, entraîneur d'Axel Touanzebe, a fait le point sur la blessure de l'international congolais qui aurait pu lui coûter un doigt. C'est un accident domestique très malheureux et très grave, a-t-il affirmé. S'il n'a pas dévoilé la durée exacte de son indisponibilité, le manager nord-irlandais a rapporté que le défenseur congolais devrait être absent pour quelques mois. Il était très proche de perdre son pouce. Il a subi une opération pour réparer les tendons du pouce qui ont été endommagés. Je pense que la récupération se passe plutôt bien, mais c'est une blessure à long terme, a-t-il poursuivi. Cette blessure d'Axel Touanzebe a impacté sur la liste de Sébastien Desabre, a quand même permis à un autre binational congolais, Peter Kioso, de rejoindre la tanière, et cela pour la à toute première fois. Une grave blessure qui a d'ailleurs été relayée même par les médias en dehors de l'Angleterre. En France, par exemple, le média Ouest France qui a publié un article intitulé « Ipswich, un joueur se blesse gravement en faisant la vaisselle, mais il échappe au pire. Axel Touanzebe va investir dans un lave-vaisselle après être passé tout proche de la catastrophe et de l'amputation. » Axel Touanzebe, 26 ans, 6 matchs toutes compétitions confondues cette saison, ne s'occupera sans doute plus jamais de sa vaisselle. Le défenseur congolais n'est pas passé loin de l'amputation du doigt après s'être sévèrement coupé avec un verre cassé lorsqu'il faisait la vaisselle. Le joueur d'Ipswich a été opéré du pouce et va être absent quelques semaines, voire plus selon son entraîneur. Axel Touanzebe s'est blessé en faisant la vaisselle. Il s'est blessé à la main, un accident très malheureux. Il a été opéré, sera absent pendant un certain temps. Il ne sera pas là durant quelques semaines, voire plus. Il y a encore des discussions avec des spécialistes. Il va être absent pendant un petit moment, a déclaré l'entraîneur d'Ipswich, Kieran McKenna. Touanzebe sera donc absent quelques semaines, donc probablement quelques mois, ce qui laisse la place à Peter Kioso pour avoir peut-être sa chance d'avoir ses premières minutes dans la tanière, vu que les Léopards se sont déjà qualifiés. Et de la plus belle des manières, avec 4 matchs, 4 victoires, 12 points, 0 buts encaissés, 6 buts inscrits. Et Peter Kioso pourrait peut-être, lors du prochain rassemblement, lors du match de la 5e journée face au Sili National de Sérou Guirassy, qui avait été atomisé avant-hier par le Real Madrid. 5 buts à 2 avec un triplé de Vinicius. J'étais très content, d'autant qu'en tant que Madrilène, nous avons gagné. Mais en tant que Madrilène également, j'ai aussi joué et gagné. Parce que j'aime le Real, c'est mon équipe de rêve aussi. Et donc, Peter Kioso aura sa chance, mais... vous avez aussi une expérience en lavant la vaisselle, pardon. Moi, j'ai fait la vaisselle aussi. Kozokaya Model, oyo, oyo, et ayo, mbote, oyo.
ça peut passer. Peut-être en lavant, peut-être un verre, hein, un verre, peut-être le verre s'est brisé. Ça peut paraître, ça peut paraître étonnant et drôle à la fois, mais on est passé près de la catastrophe. Hein. Il a failli être amputé. Heureusement qu'il a été pris en charge très très rapidement. Imaginez Bosso qui est à la Kiawa. T'es sûr à la Kiawa, le Boko qui. Écoute, est-ce que mon katana le Boko, bon, tigate bandopo là, pour avoir. Donc vraiment, on lui souhaite encore une fois un prompt rétablissement. Cela prouve aussi que les footballeurs, les sportifs sont des êtres humains comme le commun des mortels, comme nous tous. Donc, à part, c'est vrai qu'ils peuvent, la majorité des blessures viennent soit du terrain d'entraînement, soit en match, mais ce sont des personnes aussi qui peuvent avoir des problèmes, des blessures, par exemple, en faisant la vaisselle comme Axel Tuanzebe, ceci malheureusement aussi, il y a eu des accidents de voiture, des footballeurs qui ont perdu, perdu la vue, notamment accident, l'international congolais Jason Mayele qui a perdu la vie suite à un accident de véhicule. Jason Mayele est d'heureuse mémoire. Tout à fait, je me souviens aussi que Elos et Takia. Après une très très belle saison du côté d'Anderlecht, son nom était même cité du côté de Bologne, qui était cité du côté de la Première Ligue. Accident de voiture, et c'est pas lui qui conduisait, donc catastrophe. Carrière P. Souraki a pris justement cet accident de voiture. Je me souviens encore du gardien de Valence à l'époque, il était international espagnol lors de la préparation de la Coupe du Monde 2002 qui s'était déroulée du côté de la Corée et du Japon. Préparation de l'équipe de la Jora. Préparation dans sa chambre d'hôtel. Pouf, Moulanga parfait. Au lieu de Tikangwe Pantanama, il a voulu amortir la bouteille là, Banine et Panzani. Donc, tout à fait. Et puis, il a manqué la catastrophe de l'amputation de très près. Hein. Et là, malheureusement, il n'a pas pu participer à la Coupe du Monde 2002 en Corée et au Japon. Ce que ceci m'inspire, bien évidemment, les médias français ont eu aussi quand même à clasher un tout petit peu. Hein, notre international congolais, il va peut-être investir dans la lave-vaisselle. Mais je crois qu'Axel Tuanzebe étant né à Bunia, dans la République démocratique du Congo, culture wana, yarosukola, basani, namaboko. En tout cas, toi, bah, lave vaisselle les APA en RDC, mais mingi ba paye en goté. C'est vrai que c'est pas en tout cas la portée de tout le monde, on est d'accord, mais quand même, toi, na culture, wana ya ko sukola basani, ko sukola bilamba, bisomoko. Et moi, franchement, je respecte ce joueur, Axel Tuanzebe, qui arrive à faire la vaisselle, azoki azo sukola basani, hein, non, alors que tu es bien ana mongo, à quoi se permettre à zota congolaise, moko boya ya ko sala boulouana, zupe na bon, au foot épé, hein, na nenga pena Yamboko Azali. Non, moi franchement, je salue hein, cela. C'est un joueur qui est humble, hein, à vivre normalement. Et ça, vraiment, j'aime. Et c'est un garçon charmant. Je me souviens, dans l'interview à Kordaki, dans la conférence, dans Bissou Asanaki, en gros, dans Lingala, c'était vraiment très, très bien. Et évidemment, en ce moment, toutes nos pensées à Naye, qu'il revienne vite. Parce que, justement, accident Wana et Bomi Ipswich le plus. Parce que Ipswich, justement, a zanguillé sur plusieurs matchs. Mais et Bomi Pena Léopard et Bomi Pena calcule et Sébastien Desabre. Heureusement que Noko Seba Tatou Seba Otozanae Yazan 25 titularisables. Heureusement, en tout cas, pour lui et cela, on lui souhaite de nous revenir très très vite. Hein. Axel Tuanzebe, moi Naya Abounia, mais oh, Yoakendara très jeune d'Angleterre. Il aurait pu jouer pour l'Angleterre. Il est passé par Manchester United aussi, donc par des grands clubs. Et c'est un excellent latéral droit. Oh, Yoloko la Toza n'a pas ça. Il y a qu'au sein de la Belgique match. Même après Belgique, soit au Betty Belgique. Bah français ou bah moné la bango toi bah c'est quoi entre bah français na biso tout moné la bah voisin biso Congo Brazza bah français Belgique nani soit ça ma casse na biso nyo surtout pour bango nyo so ils à la France ils à la Belgique bah na bala na biso une équipe na bango donc bah na wana bazan et loco bah bangi sabah na oba obeta mpanzo te donc tout singa kaka match hein Fachi. Fachi, pour ok au solino pena ba Olympique Lyonnais wana au destination Kinshasa. Bon, c'est un match sikoyo. Ezaka na cadre ba bloko wana. Na cadre ka ya visibilité ya mboka. Sengela biso pena match na Belgique to silana. De Bruyne aya to bonde la courtoise na poto. To bonde la courtoise aza na poto nda omona ba kintwami na to tia mingi te. To gagner kaka na score moya 1-0. Premier mi-temps to souffrir de quoi sali ba makam. Na ye deuxième mi-temps.
Wana Sco Boutique et la Kaka RDC. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Hein. J'espère que cette deuxième livraison de ce jeudi 24 octobre 2024 vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Hein, mais surtout, encouragez le joueur par vos messages pour qu'il se sente quand même aussi aimé. Hein. Je sais que nous l'aimons. Je sais que vous l'aimez aussi parce que depuis qu'il est dans la tanière, il nous fait beaucoup de bien, surtout au Sénégal. Il nous avait fait énormément de bien quand il a joué. C'était pour la toute première fois qu'il joue en Afrique, pour la toute première fois qu'il joue sur un terrain africain au Sénégal, à l'extérieur qui plus est. Il avait bien tenu hein, son poste. Et si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, activez la petite cloche de notification. Elle apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.